Bonjour à tous, c'est MyDead et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of. Alors, comme prévu, je vais faire la campagne, hein. Je vais faire une nouvelle partie hein, tout simplement. Hop, c'est parti. Hop, on lance le timer. Je sais pas encore quelle difficulté je vais le faire. Donc, je vous laisse l'intro. Hein. C'est le bleu, chef. Faudrait que je vous mette les sous-titres. Soupe ? C'est quoi ce nom à la con ? Je vous laisse l'intro, hein, je me tais. Nikolai est dans la merde, et on va l'en tirer. On ne laisse pas tomber nos amis. Allons-y. Zakaev. Imran Zakaev. Mon sang sur leurs mains. Delta 1 à X-ray, on a un missile lancé. Je répète, on a un missile lancé. J'adore la musique. Hein. Ça, je vous l'avais déjà dit. Voilà, ils ont fait un petit résumé de Modern 1 pour ceux qui ne l'avaient pas fait. Ce qui est pas mal. D'ailleurs, Modern 1, je l'ai trouvé aussi très excellent. Enfin, la campagne en tout cas. Plus les choses changent, moins elles évoluent. Les frontières bougent, de nouveaux acteurs apparaissent, mais le pouvoir se trouve toujours un maître. Nous avons combattu et souffert aux côtés des Russes. Nous aurions dû savoir qu'ils nous haïraient pour ça. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et je pensais que nous avions gagné. Mais quand on abat un ennemi, un autre, pire encore, vient le remplacer. Les lieux changent, comme les raisons et les objectifs. Les ennemis d'autrefois deviennent nos alliés. On les forme pour lutter à nos côtés en espérant qu'ils ne se retourneront pas contre nous. C'est parti, on va faire la première action, l'intro. Un autre jour, mais toujours la même merde. Vous savez ce que je cherche, sergent Follet. Ouvrez bien l'œil. Un nouveau groupe passe dans la fosse aujourd'hui. Je vous enverrai le meilleur. C'est parti. Alors, la première mission, elle compte pas vraiment. C'est pas vraiment une mission. Hein. C'est pour savoir en quelle difficulté on va faire tout le reste. Bon, je vous préviens, on fera pas en vétéran. Hein. Bienvenue au royaume de la gâchette. Le soldat Allen va vous faire une petite démonstration. Allez. Pour vous montrer comment ça marche. Vous fâchez pas. Et j'en vois plein qui tirent à la volée et arrosent tout le champ de tir. C'est le meilleur moyen de pas toucher sa cible et de passer pour un crétin. Soldat Allen, montrez-leur ce que je veux dire. Allez, c'est parti. Prenez cette arme sur la table et tirez sur les cibles derrière vous. Retournez-vous et visez les cibles. Donc là, faut faire ça sans viser. Hein. Non, j'inverse pas. Il a arrosé tout le champ de tir. Pour être efficace, adoptez une position stable et utilisez le viseur pour sélectionner vos cibles. Soldat Allen, c'est le tuto, quoi. Montrez à nos amis comment un ranger abat une cible. Accroupissez-vous, puis regardez dans le viseur. Hop. Alors. C'est la base, vraiment.
Si vous voulez abattre votre cible, il faut la viser avec le viseur. Si non, sans déconner. Si votre cible se cache derrière un abri léger, sachez que certaines armes peuvent malgré tout la toucher. Le soldat va vous faire une démonstration. Ah oui. Hop. Il est essentiel de savoir lancer une grenade. Il a bugué, t'as bugué. Prenez des grenades à fragmentation sur la table. Lancez-nous dans le champ de tir pour abattre plusieurs cibles d'un coup. Donc si on reste appuyé sur G, hein, normalement, elle explose directement, c'est 3 secondes je crois. Donc elle peut s'exploser avant les, dans les mains en fait. Hop. Merci pour votre aide, soldat Allen. Vous me direz dans les commentaires si c'est du jeu, si c'est trop fort par rapport à ma voix ou vice versa. Hop, on va faire la première épreuve. C'est parti. C'est d'ailleurs la première opération spéciale celle-là. Hop. Bienvenue dans la fosse. Je continue les opérations spéciales, hein, bien sûr, hein, ne vous inquiétez pas. Il est venu en observation. Hop. Ok, prenez votre arme de poing. Alors, c'est rapide, hein. Prendre votre pistolet est toujours plus rapide que de recharger. Donc, ça va être parti. Ah, évidemment, je vais pas prendre mon pistolet, hein. Je prends ma scarache. Ah non, je vais prendre la serre. Allez, c'est parti. Hop. Évidemment, je touche un civil dès le début alors que j'ai jamais touché de civil. Ça, c'est beau. Hop. J'ai touché 3 civils, bon, c'était médiocre. Je pense que je vais le refaire, vite fait comme ça. Je vais le refaire. Hop, c'est parti. Alors, aujourd'hui, c'est la première fois que j'allume le jeu, hein, donc je m'échauffe. Hein. Hop. 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 Je m'échauffe, hein. Et ensuite, on lance la seconde mission. Hop. Évidemment. C'est parti. Bon, un civil. Difficulté commando. Bah, on va commencer un commando, vous savez quoi. C'est parti. Donc, ça fait 10 minutes. On va faire l'intro du deuxième et je pense qu'on reprendra une VOD à celle d'après. Ou non, je pense qu'on va faire cette mission. On va faire cette mission. Quoique de souvenir elle est un peu longue. Non, je pense que la première vidéo sera courte. Je pense que la toute première VOD sera courte. Ouais, non, ça fait 8 minutes qu'on a commencé. Notre armée est la plus puissante de toute l'histoire de l'humanité. Je vous laisse chaque combat est le nôtre. Parce que ce qui se passe ici a de l'importance là-bas. Nous ne pouvons pas rester spectateurs. La maîtrise des outils de la guerre moderne est ce qui permettra à votre peuple de se développer au lieu d'être anéanti. Nous pouvons vous offrir la liberté, mais nous pouvons vous apprendre à la conquérir. Et ça, mes amis, a plus de valeur qu'une armée entière de blindés. Bien sûr, la taille de l'arme a de l'importance, mais ce qui compte le plus, c'est la personne qui l'utilise. C'est l'heure des héros. L'heure de faire la légende. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mettons-nous au travail. Ok, non, du coup, ouais, j'ai réfléchi, on va s'arrêter là parce que la mission est un peu longue. Hein. Donc, on va s'arrêter là. Donc, cette vidéo ne durera que 10 minutes, hein, bien sûr.
Donc je vais tourner les prochaines deux ou trois là tout de suite là. Donc vous aurez, je pense que vous aurez deux vidéos cette semaine, celle-là et c'est la mission d'après. Parce qu'une vidéo de 10 minutes où on fait que l'intro, c'est pas ouf. Du coup, vous aurez la prochaine dans la même semaine. Vous aurez, je sais pas encore quel jour vous aurez ça. Je pense que vous aurez cette vidéo-là. Je tourne actuellement dimanche. Je pense que vous l'aurez lundi ou mardi. Et la prochaine vidéo jeudi comme d'habitude. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner et activer toutes les notifications histoire d'être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir. Et les prochaines vidéos seront forcément plus longues, donc ce sera normalement mieux. Sur ce, bye bye!